Bienvenue à bord du transport 909 en route pour Pyramide. Toutes les blessures subies lors de votre capture ont été examinées et sont considérées comme sans gravité. Nous devrions atteindre notre destination dans 16 heures. Placez à vos pieds. La Pyramide, une nouvelle vie vous attend. Loin des nombreux dangers du monde extérieur. L'obéissance est votre garantie du succès et sûr. Toute insoumission sera sévèrement punie. Danger, température critique. Évasion dans le compartiment 9! Évasion dans le...
baie, attendons les ordres. Où sont mes affaires? Quoi? Mes affaires? Tout ce que j'avais quand on m'a enlevé. J'ai rien le droit de dire, c'est contraire aux ordres. À la réserve, dans la coque. L'esclave 6B58 est coupable d'aide à un fugitif. Infraction de niveau 1. Commande. Exécution de l'esclave 6B58. Ma bécane. Au moins j'ai trouvé mon matériel. Alors là, ça va chier.
pas là! Thank you.
toi. Non. Oh la vache. J'ai l'impression qu'on m'a éclaté la tête. Oh. C'est la couronne. Quoi? La couronne d'esclave. Ce que je t'ai mis sur la tête. C'est toi qui l'as mise? Je vais t'expliquer. Enlève-moi ça, ou je te jure que je t'arrache la tête. Non. Non? Tu crois que je plaisante, c'est ça? Command, stop! La vache! Ça marche! Command, éloigne-toi de moi! Qu'est-ce que tu me fais, bordel? J'ai trafiqué une couronne. De manière à ce qu'elle réponde à des commandes vocales. L'activation déclenche une réaction douloureuse. C'est ce qui contrôle les esclaves. Je vais te buter. Impossible. Si mon cœur cesse de battre, quelle qu'en soit la cause, mon cerveau reçoit une décharge fatale. Si je meurs, tu meurs. Pourquoi? J'ai besoin de ton aide. Je viens d'une communauté indépendante, c'est à 500 km d'ici. Jamais j'y arriverai toute seule. Si je tombe sur des robots, je suis morte. Alors voilà. Si tu me ramènes chez moi, tu seras libre de repartir. Tu me laisses pas vraiment le choix. J'ai pas le choix non plus. Désolée. Ok. Out. Commande, reste avec moi. Hey, c'est quoi tous ces trucs que je vois d'un coup? J'ai programmé la couronne pour qu'elle affiche des infos. Elle est connectée à ton bouclier et à mes signes vitaux. Et ta voix? J'ai l'impression de l'entendre dans ma tête. Normal. J'ai créé une liaison auditive permanente. Ah, oh, super. L'atterrissage a été assez rude pour toi. Devait être un lieu de rassemblement. La sortie est par là? Je crois que c'est un pont basculant. Sûrement pour se protéger des robots. Ça doit être ses commandes. L'autre côté est bloqué. Tu peux aller libérer le passage? Fais attention! Par là. J'arrive.
pouvoir sortir par ici. Tu peux bouger ça? Tu voudrais bien m'expliquer ce que t'as vu? Te ramener chez toi le plus vite possible pour que tu puisses enlever ce truc de ma tête et que je casse la tienne. C'est pas... Ouais, je sais. Tu vois la fumée là-bas, c'est la plus transparente pour travailler. On va essayer de l'atteindre, voir si ma bécane a survécu au crash. Quelle bécane? C'est la seule façon que je connais de faire 500 km. Deux roues et un moteur. Regarde-moi ça. Il devait y avoir des milliers de gens qui vivaient ici. Plus. Des dizaines de milliers? Possible. C'est triste. Je me demande ce qui leur est arrivé. Tu tiens vraiment à t'en sortir? Alors quand je t'ordonne de faire un truc, je veux que tu le fasses! Immédiatement! Ok. Je suis désolé. Dépêche-toi.
sont sonnés. Mais pas pour longtemps. Vite. C'était quoi, ça? Un émetteur d'IEM. Il vient de mon père. Il neutralise quelques instants les robots de petite taille. Assez pour que j'ai une chance de filer. Cette porte de sécurité fonctionne toujours. Il doit y avoir des batteries actives par ici. Et alors? Faut pas se laisser distraire. Il faut qu'on rejoigne l'épave du vaisseau. Des robots! Chut! Pas moyen de passer sans se faire voir. Je vais m'approcher et attirer leur attention. Profite sans profiler. Mon émetteur IEM est rechargé. On n'est pas tiré d'affaire. Je vois une issue. Mais on pourra jamais l'atteindre. On peut pas se mettre à couvert. Laisse-moi essayer cette fois. Je crois que je pourrais créer une diversion. Fais diversion! Voilà, c'est bon. Allez! Attention! Il va bientôt disparaître! Ok, laisse-moi deux secondes. Je vais neutraliser ces robots. Je peux utiliser mon leurre, si tu veux. Fais diversion! Il va bientôt disparaître. Ok, charge terminée. Fais diversion.
Regarde cet arbre. Il doit avoir des centaines d'années. Regarde cet arbre. Il doit avoir des centaines d'années. C'est miné par là. Va falloir passer ailleurs. J'ai une idée qui pourrait régler le problème. Viens avec moi. Hey. Tu vois ces libellules? Faudrait que t'en attrapes une. C'est quoi cette idée à la con? Écoute, c'est pas un ordre. C'est un service. Je fais ça comment ? Tu vois cette échelle ? Je devrais pouvoir la faire descendre si tu me soulèves. Alors, tu veux que j'attrape une de ces libellules ? Ça risque d'être difficile. Elles sont méfiantes et super rapides. Il y en a une juste là. Je vais la marquer sur ton interface. Elle est là! Juste là! Oui, je sais, je la vois, j'ai des yeux. Moi aussi. Arrête de bouger, saloperie de bestiole! Merci.
saleté d'insectes. Je vais t'écrabouiller. Tu l'as attrapé? Non, non, pas encore. Je l'ai. Bien joué. Rapporte-la moi maintenant. J'adorais jouer avec les libellules quand j'étais petite. Pas toi ? Non, je les écrabouillais. Elles ont développé des sortes de capteurs qui leur permettent de détecter les sources d'énergie. C'est rudimentaire, mais... je veux en faire... ça ira très bien. Bouge pas. Là. Elle est maintenant reliée directement à ta couronne. Elle partage sa caméra et ses capteurs avec toi. Et ? Teste-la. Suis-moi. Normalement, la couronne doit indiquer l'emplacement des mines. Qu'est-ce que t'en dis ? Plutôt cool, hein ? Ouais. Ouais, c'est plutôt cool. Est-ce que tu pourrais me guider ? Je vois pas les mines, moi. Trop facile. Attends, il y a quelque chose qui cloche là. Tu pourrais faire un autre scan. On a un léger problème. Il y a des mines partout. On se dirige vers ce bâtiment. Thank you.
Lance-moi jusqu'à ce rebord. Je vais chercher un passage. Là-haut. Je peux passer par ici. Ok. Je vais trouver un autre chemin. Tu peux me faire passer de l'autre côté ?
Je peux passer par ici. Ok. Je vais trouver un autre chemin. J'ai eu chaud, j'avoue. Il y a une tourelle de garde là-bas. On va pas pouvoir passer. Je vais scanner. Je détecte un défaut dans sa structure. Essaie de te rapprocher et de lui faire tomber ça dessus pour la détruire. Diversion. Attention, il va bientôt disparaître. Ok, charge terminée. Fais diversion. Diversion. Oui. Attention, il va bientôt disparaître. Ok, charge terminée. Trip, vous en un scan. Pas de bruit.
m'ont repéré, mais c'est bon. Fais diversion! Attention! Il va bientôt disparaître! Tu as pas dégagé le passage. Fais diversion. Diversion. Ouais. Attention, il va bientôt disparaître. Ok, j'y suis. Des charges de plasma. Excellent. Espérons que ce truc fonctionne. Ok, charge terminée. Chaque fois que tu détruis un robot, je peux récupérer ses données. Découvrir comment il marche. Ça va te faciliter la vie. Si tu veux réellement me faciliter la vie, alors qu'est-ce que tu dirais de me retirer ce machin ?
Dépêche-toi. Vu qu'on va passer pas mal de temps ensemble, ça pourrait être sympa de se présenter, non? Moi, c'est Tripitaka. Mais on m'appelle souvent Trip. Et quand je dis souvent, c'est presque tout le temps. Et toi, c'est quoi ton nom? J'ai pas de nom. Arrête. Tout le monde a un nom. Eh ben, pas moi. Et tes parents, ils faisaient comment? Ils ont été tués par des robots quand j'étais petit. J'ai grandi dans la nature. Seul. Ok. Bon, et les gens, ils t'appellent comment? Monkey. J'ai appris à me déplacer dans les arbres pour échapper aux robots. Dans les communautés que je fréquente, certains me surnomment Monkey. Si tu veux vraiment me donner un nom, utilise celui-là. Ok, Monkey. On y va. Laisse-toi. La tourelle va nous repérer. Je scanne. Je crois pas qu'on puisse passer par ici. Attends. Je détecte du carburant. Une cellule? Non. C'est plus ancien que ça. Ça vient de ce camion. Je crois que c'est du pétrole. Monkey, j'ai une idée. Tu devrais essayer d'atteindre cette tourelle et d'en prendre le contrôle. Ok. Attention, il va bientôt disparaître. Ok, charge terminée. Fais diversion. Je détecte des robots!
Ils sont beaucoup. Et ils se dirigent droit sur moi. J'ai une idée. Je devrais pouvoir améliorer ton équipement. Tu m'aides à traverser ?
C'est magnifique. Ouais. Mais il devrait être mort, c'est aberrant. Non, au contraire. Le soleil nourrit les plantes. Les plantes donnent de l'oxygène à l'eau. Les petits poissons mangent les algues, les gros poissons mangent les petits. C'est un écosystème fermé. Tout comme chez moi. C'est mon père. Il a bâti notre communauté exactement sur ce principe, pour nous permettre de vivre sans jamais quitter son enceinte. On fait de l'agriculture, on condense l'eau nous-mêmes, on produit notre propre énergie. On a tout ce qu'il faut. Sauf un futur. Pourquoi ? Ah, c'est toujours la même chose. Des tribus éparses qui se regroupent sous la bannière d'un leader visionnaire qui, un jour, finissent par attirer l'attention des esclavagistes. Ce qui est déjà arrivé, visiblement. Il n'y avait qu'un transport. Il n'y a pas eu beaucoup de monde. Il y en aura d'autres. Si ces poissons peuvent survivre 200 ans, contre toute attente, nous aussi. Thank you.
Trip. Trip. Viens. Allez, viens, il faut que tu scannes ce truc. Bon, alors, où est l'épave? Or, là-bas. On s'en rapproche. Il va falloir qu'on traverse ce ravin? Merde. Tu vois cette tour métallique? Elle pourrait peut-être nous aider à passer. Je vais utiliser la libellule pour trouver un chemin. Je vais placer un repère sur ton interface visuelle. On peut passer par ici, mais plus loin, il y a des robots. Bah apparemment, on n'a pas le choix. Attends. Robot droit devant. On pourrait essayer de les contourner, non ?
Je peux pas sauter si loin. Tu vas devoir me lancer. Entendre mon cœur tellement il battait fort. C'est une impasse. J'ai l'impression qu'il faut monter. Tu pourrais me lancer là-haut? Pourquoi ils nous attaquent, ces robots? Ils savent rien faire d'autre. Restons pas dans le coin, c'est dangereux. Quelque chose. Waouh! Du sérum énergétique. C'est bon pour les blessures, ça. Il n'y avait rien du tout. Je crois que je deviens fou. C'est peut-être à cause de la couronne. Après tout, elle est reliée à ton cerveau. Peut-être qu'elle... cause des hallucinations. Super. Non, vraiment, c'est de mieux en mieux. Désolée. Thank you.
On a un léger problème. Un des robots a un bouclier. Attends, je fais un scan. Voilà la sortie. Je te la marque. Le robot de gauche a l'air un peu différent des autres. On dirait que son bras avec le canon est amovible. Ok, je vais essayer de l'arracher. Ils se sont activés! Au fait, bravo pour avoir repéré ce canon. On peut dire que t'as l'œil. Merci. Je vais pas pouvoir t'aider à traverser. Attends, je peux passer par ici. Ok, je vais chercher un autre chemin. Il y a une porte de sécurité. Donne-moi 2 secondes.
Ok, on y va. On est presque arrivé à la tour. Dépêche-toi. Ça grouille de robots dans le coin. Attends, je fais un scan avec la libellule. On dirait qu'il faut passer par cette porte. Mais bien sûr, elle est gardée par une tourelle. Regarde, ce robot a un bras amovible, comme celui de tout à l'heure. Des robots, mais ils sont désactivés. Je ferais mieux de t'attendre ici. Fais diversion. Tu me fais monter, je pourrais abaisser l'échelle. Fais diversion. D'accord. Attention, il va bientôt disparaître. Ok, charge terminée. Diversion.
Je peux pas passer. Reste ici, je vais essayer de nous en débarrasser. Doutez. J'arrive. On n'a plus qu'à neutraliser la tourelle. Fais diversion. Bien. Attention, il va bientôt disparaître. Ok, charge terminée. Diversion! Diversion. C'est bon. Ok, j'arrive. Charge terminée. Fais le guet pendant que je force la serrure. J'ai déclenché l'alarme! Repousse-les pendant que j'essaie d'ouvrir! Il me faut encore quelques secondes! C'est plus difficile que je croyais! Monkey! Aide-moi! Mine-toi!
Je vais y rester, hein? Je vais mourir ici comme tous ces gens. Ça risque pas d'arriver. La tour métallique. On y est presque. Il y a des robots en bas. Je vais m'occuper d'eux. Allez, on descend.
Dépêche-toi, ça durera pas. Hey! Sortir dans la rue à partir d'ici. Allez, Monkey. On y va. Je trouve un autre moyen de te faire passer. Là-dessous. Tu vas me laisser toute seule ici? Qu'est-ce qui me dit que tu reviendras? Tu meurs, je meurs, c'est ça? Ouais. Donc je reviendrai.